Alléluia. Et le Seigneur m'a parlé de toi. Yes. Le Saint-Esprit m'a parlé de toi. Alléluia. Le Seigneur me dit, il y a des choses quand tu, c'est du, la prophétie quand tu la reçois. Le Seigneur te dit, quand il te dit, dis, il faut dire. Il me dit, arrête de te soucier. Arrête de te soucier. Et mets tes fardeaux au pied de l'Éternel. Mets tes fardeaux. Le Saint-Esprit me dit de te dire de mettre tes fardeaux au pied de l'Éternel. Regarde, le Seigneur me dit, tu as des dons en toi. Alléluia. Tu as des dons en toi. Yes. Et le Seigneur veut que tu exerces. Alléluia. Le Seigneur veut que tu fasses. Alléluia. Le Seigneur veut que tu cours pour son œuvre. Parce qu'il a mis des dons en toi. Amen. Tu es ta chose. Yes. Tu es ami de ton toi. Mais les soucis ont pris place. Oui. Les difficultés ont pris place. C'est Jésus qui a la solution. Amen. Pose tes fardeaux entre les mains du Seigneur. Regarde, celui-là même qui a la solution te dit de déposer tes fardeaux entre ses pieds. Alléluia. Et fais l'œuvre de Dieu. Alléluia. Fais l'œuvre de Dieu. Amen. Sans cela que tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Sans cela que tu verras la, Amen. La puissance Amen. De Dieu. Amen. Oublie tes soucis. Alléluia. Oublie tes soucis. Amen. Oublie tes soucis. Amen. Amen. Je vais prier pour toi, mets-toi en face de moi. Oublie tes soucis. Amen. Parce que le Seigneur t'aime. Oh, yes. Seigneur, je te recommande ta servante. Yes. Tu m'as dit de lui parler, je te la recommande. Je yes. te la recommande. Je te la recommande, Seigneur. Yes. Et je prie, Seigneur, Amen. Que tu la fortifies. Corabaché que répré, que tu la fortifies. Que tu la fortifies. Merci Seigneur. Tu fortifies son cœur. Tu restaures son cœur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci. Amen. À partir d'aujourd'hui, fais le pour Dieu. Tu as besoin de toi. Mon frère, serviteur de l'Éternel. Amen. Le Seigneur me dit, il te cherche, il ne te voit pas. Amen. Le Seigneur me dit, il te cherche. Il te cherche. Ah oui, Dieu, c'est pas comme ça. Regarde, tu peux avoir des difficultés. Tu sais pas ce que moi je traverse. Mais je mets mes difficultés à côté. Je fais le but. Amen. Si je te rends mon témoignage, je viens de loin. Alléluia. Le Seigneur me dit qu'il ne te voit pas. Le Saint-Esprit me dit de te dire qu'il ne te voit pas. Alors qu'il t'a choisi. Amen. Alors qu'il veut faire de grandes choses avec toi. Alléluia. Dieu veut faire de grandes, mais il ne te voit pas. Yes. Dieu ne te voit pas. Et c'est grave quand Dieu dit qu'il ne te voit pas. Amen. Mais comme le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour, est un Dieu de paix, oui. est un Dieu qui aime ses enfants, Amen. Le Seigneur veut que tu fasses son œuvre. Yes. Serviteur de oh, oui. oh. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Mais il ne te voit pas. Prends la résolution de le servir. Prends la résolution de repartir avec le Seigneur. Prends la résolution de te renouer, de te connecter au Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des choses en toi. Mais tant que tu ne te lèves pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur sera capable de te fermer même les portes. Parce que lui, Dieu t'a choisi. Amen. Parce qu'il a mis des dons en toi. Dieu regarde à ses intérêts. Il ne regarde pas parce que tu cours pour des choses. Mais cours pour le Seigneur. Amen. Me dit le Saint-Esprit. Amen. Cours pour le Seigneur. Amen. Le Seigneur me dit, tu cours pour d'autres choses. Mais il veut que tu cours aussi pour lui. La même manière dont tu cours. Yes. Pour ton travail. Je veux que tu cours pour lui. Amen. Parole de l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Merci. Oh, amen. Pendant que tu chantais, le Saint-Esprit m'a parlé de toi. Yes. L'enfant que tu portes va apporter la restauration. Amen. Yes. Mets-toi là. L'enfant que tu portes va apporter la réconciliation. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a parlé de réconciliation. Ne pleure pas, femme. C'est un enfant béni. Alléluia. C'est un enfant qui va t'apporter beaucoup. Amen. C'est un enfant prodige. Yes. C'est un enfant prodige. Yes. Cet enfant est un miracle de Dieu. Cet enfant va apporter la réconciliation. Yes. La réconciliation. Yes. Beaucoup de choses. C'est un enfant béni de Dieu. Tous les jours, impose-toi les mains et prie pour cet enfant. Parce que cet enfant va t'apporter de la joie, la paix. Mais je t'en la réconciliation. Cet enfant va apporter la réconciliation. Parole de l'Éternel. Je te bénis pour cette grossesse. Et je la coupe du sang de Jésus. Yes. Merci Seigneur. Merci de bénir ta servante. Merci de
de bénir ta servante. Parce qu'elle est servante de Dieu. Yes. Elle est servante de l'éternel. Yes. Elle est servante de Dieu. Alléluia. Elle a la paix yes. de l'évangile. Yes. Elle a la paix de l'évangile sur sa vie. Cette femme va fleurir pour l'évangile. Cette femme va prêcher l'évangile avec puissance et avec vie. Alléluia. Yes. Amen. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Saint-Esprit. Parler. Dieu Saint-Esprit, parle-moi. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Papa, j'ai combien de minutes? Ben, tu as 20 minutes. C'est bon. Ah oui, 20 minutes? Oui. D'accord. Merci, papa. Oh, tu en avais plus, le Seigneur a fait beaucoup. Oui, le Seigneur, il fallait que je fasse ce que Dieu Amen. Veut que je Amen. Fasse. Amen. Parce que quelquefois, quand je ne fais pas ça, le Seigneur n'est pas content de moi. Amen. Je préfère obéir à la voix du Seigneur. Amen. Nous allons prendre le livre de Matthieu, Matthieu 25, à partir du verset 1. 1 à 13. Seigneur, merci pour ta parole. Yes. Que ma personne s'efface et que toi, tu prennes place. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Comme le Saint-Esprit est saint, il y a des choses que je ne dirai pas, papa. Le Saint-Esprit, je te verrai. Il y a des choses que je ne dirai pas. Amen. Parce qu'il y a des choses qu'il faut dire. Amen. Il y a Amen. Des choses qu'il ne faut pas dire. Amen. Choses, c'est ça la sagesse. Amen. Voilà, c'est ça la Alléluia. Sagesse. Quand tu as la sagesse, avant, quand le Seigneur... Quand je, parce qu'il y a le don de prophétie, puis il y a la prophétie. Il y a le don de prophétie, puis il y a le ministère prophétique. Amen. Yes. Papa, quand Dieu a commencé avec moi, alors tu sais quand Dieu commençait avec toi, je ne savais pas qu'il fallait être sage. Donc c'est que Dieu me dit, je te dis. Il y en a même qui disent, oh celle-là c'est prophète. Je dis, mon Dieu, je connais ma consécration. Je connais mon identité yes. avec le Seigneur. Yes. Donc je sais que quand le Seigneur me dit, je sais que ça vient de Dieu. Amen. Mais je ne connais pas. Il y en a qui se fâchaient. Oui. Mais après Dieu les confondait. C'est ce que j'aime chez le Seigneur. Alléluia. C'est ce que j'aime chez Alléluia. Le Seigneur. Dieu confond. Hein? Yes. Dieu confond. Maman Dieu va confondre. Yes. Maman Dieu va confondre. Amen. Le cercle, Dieu va briser. Yes. Dieu va briser ce cercle. Yes. Dieu va briser. Alléluia. Je ne rentrerai pas dans les détails. Non. Mais Dieu va briser. Je sais. Lord Dieu, c'est un Dieu de victoire. Yes. Alléluia. Lord Dieu, c'est un Dieu de victoire. Alléluia. Matthieu 25, à partir du verset 1. Papa, c'est mon fils qui est là. Hein? Amen. Jean-Jacques, tiens-toi debout pour moi, ta famille. C'est mon fils. Amen. Et c'est mon invité. Odia, tu m'as passé une grève de nous. Aujourd'hui, je t'ai soumis. J'ai dit, Odia, la foi, on va à l'église. C'est le fils à mon papa. À mon papa Louis. Donc, c'est mon fils. Il s'appelle Jean-Jacques. C'est un guitariste. Amen. Il est un guitariste. Il aime la musique. Mon frère, papa. Oui. Mon frère, il devait être. Il jouait aux instruments, oui. il devait être chanteur. Oui. Et c'est son option que ses enfants ont pris. Amen. Ils aiment la Alléluia. Musique. Mon frère devait chanter. C'était il chante, le reggae. D'accord. Voilà. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Quand je dis je t'aime, je t'aime. Moi, je parle comme ça, où on dit je t'aime, et puis derrière, tu casses. Ou même, tu es non. Quand j'ai quelque chose à te dire, je te le dis. Amen. Mais dans la main du Seigneur. Amen. Donc, Matthieu 25. Mon fils, le Seigneur t'aime. Dieu veut que tu ailles là, il y a encore en eau profonde avec lui. Amen. Que tu ailles en eau profonde. Amen. Tu es allé en eau profonde. Amen. Il veut que tu ailles toujours en eau profonde. Amen. Il veut faire encore beaucoup de choses avec toi. En eau profonde, toi et moi on se comprend, non? Dans les yeux on se parle, non? Amen. En eau profonde, Amen. Comme tu es un serviteur de Dieu, yes. je parle en tes voix. Matthieu 25, à partir du verset 1 à 13. Papa, il a papa eu un songe, et dans le songe, c'est ça, papa, une oui. révélation. Oui. Et dans le songe, tu es en train de marcher, oui. et puis le Saint-Esprit t'a ramené oui. en arrière. Oui. Il t'a dit, lis oui. ce qui est écrit. Amen. Et ce qui était écrit, ce qui te disait que. Oui, c'était. Oui. Le temps est court. Le temps est court, oui. c'est fort. Amen. Le temps est court. Amen. Oui, papa. Vaquer. À la prière. À la prière. Le temps est court. C'est un message que Dieu donne à notre père, à notre papa. Il dit le temps est court. Alléluia. Dieu nous aime tellement. Amen.
C'est que Dieu déjà nous avertit. Il dit le temps est court. Vaquez à la prière. Alléluia. Matthieu, tu peux lire pour moi s'il vous plaît. À partir du verset 1. Matthieu 25. À partir du verset 1 à 13. Ah, merci. C'est qui? Tu entends lire? Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles lampe de l'huile. C'est ça, non? Quelqu'un peut lire pour moi, Lis pour moi, servante de Dieu, s'il te plaît. Avec leur lampe de l'huile. Non, va au début, s'il te plaît. Alors le royaume des cieux sera semblable. Alors le royaume des cieux sera semblable. À 10 vierges qui? À 10 vierges. Ayant pris leur lampe. Ayant pris leur lampe. Allèrent à la rencontre de l'époux. Allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles. Oui. Et 5 sages. Mm-hmm. Les folles, en prenant leur lampe. Oui. Ne prirent point d'huile avec elles. Oui. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Mais les sages prirent avec elles. Leur lampe. Leur lampe. De l'huile dans des vases. Oui. Comme l'époux tardait. Comme l'époux tardait. Tout s'assoupir et s'endormir. Tout s'assoupir et s'endormir. Mm-hmm. Au milieu de la nuit, on cria. Au milieu de la nuit, en criant. Voici l'époux. Allez. Voici l'époux à. Aller à sa rencontre. Aller à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Oui. Et préparèrent leur lampe. Mm-hmm. Les folles dirent aux sages. Oui. Donnez-nous de votre huile quand vos lampes s'éteignent. Ouais. Les sages répondirent. Mm-hmm. Non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. C'est ça. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Mm-hmm. Pendant qu'elles allaient en acheter. Pendant qu'elles allaient en acheter. L'époux arriva. L'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans les salles des noces. Oui. Et la porte fut fermée. Mm-hmm. Plus tard. La porte fut fermée. C'est ça. Plus tard. Les autres vierges vinrent et oui. dirent. Et dirent. Seigneur. 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 Ouvre-nous. Ouvre-nous. Mais il répondit. Il répondit. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Veillez donc. Veillez donc. Puisque vous ne savez. Puisque vous ne savez. Ni le jour. Oui. Ni l'heure. Oh, c'est fort. Yes. Alléluia. Il en sera comme d'un homme qui portant un voyage. Prends le pont Marc 13, s'il te plaît. À partir du verset 33. Alléluia. Marc 13, verset 33. Oui, vas-y. Verset 33. Je lis la parole de Dieu. Prenez garde. Veillez et priez. Prenez garde. Veillez et priez. Veillez et priez. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Car vous ne savez pas quand ce temps viendra. Oui, vas-y, vas-y. Il en sera comme d'un homme qui, oui. portant pour un voyage, mm-hmm. laisse sa maison, mm-hmm. remet l'autorité à ses serviteurs, oui. indique à chacun sa tâche, oui. et ordonne au portier de veiller. Mm-hmm. Veillez donc. Veillez donc. Car vous ne savez quand. Car vous ne savez pas. Quand viendra le maître. Quand viendra le maître. De la maison. De la maison. Ou le soir. Ou le soir. Ou au milieu de la nuit. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Ici, la Bible nous parle de 10 vierges. Alléluia. De la parabole. Des 10 vierges. En fait, c'est deux personnes différentes. Mm-hmm. Quand je dis deux personnes, je peux prendre un groupe, il y a un groupe, mm-hmm. il y a un groupe de, comment on appelle? Tu vas lire un mot au fur et à mesure. Deux personnes qui n'ont pas la même vision. Amen. Dans la parabole des... Tu vas lire, ma servante de Dieu. Tu vas lire. Non, tu peux t'asseoir, tu peux lire. Qui nous parle de la parabole des 10 vierges. Alléluia, ça nous parle de l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. Oui. La Bible dit quoi? Oh, alléluia. Yes. Parce que c'est, je savais yes. que Dieu est en train de nous prévenir. Alléluia. Amen. Dieu est en train de nous dire que le temps est arrivé. Oui. Parce que yes. Dieu est proche. Amen. Le Seigneur est proche. Alléluia. Oh, yes. Il dit quoi? Il dit alors. Oh, yes. Alors, c'est ça non? Il faut que je mette mes lunettes. Je vais enlever mes lunettes. Alors, le royaume des cieux, yes. c'est ça? Oui. Oui. Vas-y. Le royaume des cieux est semblable. Toi et moi, on va prêcher. Vas-y. Amen, amen. C'est amen. Tu peux rester assise, reste ici. Le royaume des cieux est semblable à 10 vierges, c'est ça non? Oui. Oui. Qui ayant pris
leur langue allait à la rencontre de l'époux. C'est Matthieu chapitre 25. À partir du verset 1. 1 à 13. Ça nous parle de deux personnes différentes. Ça nous parle de l'enlèvement. Alléluia. Alléluia. La Bible dit quoi? La Bible, vas-y, vas-y, c'est bon de Dieu. Cinq d'entre elles étaient folles. La Bible dit que cinq d'entre elles étaient folles. Oui. Et cinq sages. Et cinq sages. Yes. Deux personnes différentes. Amen. Les dix vierges. Yes. Cinq, la Bible dit que cinq étaient folles. Oui. Et cinq étaient sages. Oui. Les folles, alléluia, elles sont chrétiennes, mais elles n'ont pas accepté la personne de Jésus. Amen. Elles n'ont pas accepté le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Elles sont dans la maison de Dieu. Ça, je parle de folles. Amen. Elles sont dans la maison de Dieu. Oui. Mais elles ne s'occupent pas des choses de Dieu. Amen. Quand on parle de Dieu, on parle des hommes, on parle des femmes. Amen. On ne parle pas seulement que des femmes. Amen. Alléluia. Amen. Les dix folles, elles avaient le Seigneur, mais elles n'avaient pas le Saint-Esprit. Tu peux accepter le Seigneur, mais est-ce que le Saint-Esprit est en toi? Alléluia. Alléluia. Ça veut dire qu'elle s'occupait des choses, alléluia, qui ne valaient même pas la peine. Oui. Dans la maison de Dieu, elle s'occupait des choses, alléluia, de pas des choses de Dieu. Mais elle s'occupait de qui on dit, celui-là dit, moi a dit, ça a dit. Alléluia. Mais elles sont dans la maison de Dieu. Les critiques sont les partages. Par contre, elles sont chrétiennes. Les murmures sont les partages. Par contre, elles sont chrétiennes. Les calomnies sont les partages. Alléluia. L'œuvre de Dieu ne les intéresse pas. Alléluia. Je suis là pour être béni. Je suis là pour recevoir. Je suis là pour que Dieu puisse me parler. Mais qu'est-ce que tu fais? Ça, ce sont les folles. Mais la Bible dit qu'il y avait 10 vieilles sages. La sagesse bâtit l'église. Alléluia. Regarde la différence qu'il y a. Mais je crois que ce matin, tu fais partie des sages, des dix vierges sages. Amen. Alléluia. C'est ça? Les cinq vierges, oui, c'est dix. Et puis cinq saints. Voilà, cinq saints. Alléluia. Moitié, moitié, papa, c'est ça. Ça veut dire que les cinq folles là, elles sont dans la maison de Dieu, elles ne font pas l'œuvre. C'est-à-dire que quand tu te lèves pour faire l'œuvre de Dieu, ça les énerve. Ça, je parle de folle. Quand tu te lèves pour donner pour l'avancement de Dieu, ou même quand tu es scellé pour l'œuvre de Dieu, on dit, mais toi, tu viens d'arriver. C'est toi qui veux dire que tu aimes Jésus. Oui, j'aime Jésus. Amen. Dis à quelqu'un, oui, j'aime Jésus. Parce que la Bible dit que Dieu met la différence entre celui qui le sait et celui qui ne le sait pas. Donc, quand je viens dans la maison de Dieu, je dois mettre la différence. Quel que soit d'où je viens, je mets la différence. Je me distingue des folles. Je mets la différence, je ne mets pas comme les autres. Je ne me laisse pas influencer par les autres. Amen. Moi, je suis quelqu'un, je ne me laisse pas influencer par les autres. Alléluia. Tu n'es qu'à me parler, Amen. Mais le dernier mot, c'est le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Et quand je viens dans la maison de Dieu, quand il y a le Saint-Esprit, je me mets à l'aise. Amen. Parce qu'elle ne peut pas m'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas possible. Amen. Mais les folles, les six folles, elle s'occupait de qui a dit, ah il paraît que lui c'est si, ah lui. Mais au lieu de fléchir chez nous et de faire avancer le royaume de Dieu. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il y a cinq sages qui avaient le souci de l'œuvre. Alléluia. Cinq sages qui disaient, il faut que je fasse ça. Oui. Cinq sages, cinq vieilles sages qui disaient, moi je dois faire ceci. Alléluia. Moi je dois jeûner pour l'église. Oui. Moi je dois me mettre à jeûner pour l'église. Alléluia. Moi je vais évangéliser. Parce que je veux faire l'œuvre de Dieu. Je veux me distinguer. Regarde, quand tu viens dans la maison de Dieu, distingue-toi. Amen. C'est pas un péché. Amen. Distingue-toi. Amen. Sois le meilleur de ta génération. Amen. Et c'est en cela que Dieu va te bénir. Amen. Amen. Sans cela, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. On peut acclamer Jésus. Avant de Dieu. Prends le verset 3, s'il te plaît. Les folles en prenant leur lampe ne prirent point d'huile avec elles. La lampe, c'est la parole de Dieu. Amen. Mais elle n'avait pas le Saint-Esprit. Amen. Lui, c'est la présence de Dieu. Amen. Elles avaient la parole. Alléluia. Mais elles n'avaient pas le Saint-Esprit. Amen. Alors qu'il faut que tu aies la parole. Amen. Et avec le Saint-Esprit, les deux vont du Père. Amen. C'est ça, papa? Amen. Les deux vont ensemble. Amen. J'ai posé mon Alléluia. Elles ont la parole. Amen. Mais le
reçoit pas le Saint-Esprit. Amen. Alors que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Amen. Alors que c'est le Saint-Esprit qui nous qui illumine notre intelligence. Oui. Elles ont la parole, mais elles sont dans les critiques. Elles ont la parole, elles sont dans le péché. Et plus elles sont dans le péché, elles ont la parole, elles suivent les choses du monde. Elles suivent l'amour du monde. Quand tu es enfant de Dieu, enfant de Dieu, c'est toi qui dois influencer sur le monde. Amen. C'est nous qui devons influencer sur le sur monde. Le monde. La Saint-Pierre, vas-y, c'est bon de Dieu. Comme l'époux, ta mère. Comme l'époux, mets les sages. Mets les sages prier avec leurs lampes. Mets les sages prier. Avec leurs lampes. Avec leurs lampes. De l'huile dans des vases. Elles prient quoi? De l'huile dans des vases. Elles prient quoi? De l'huile dans des vases. Elles ont pris quoi d'abord? Les lampes. La parole de Dieu. Amen. Yes. Oh, ça, ce sont les sages. Oh, amen. Et après? Prends de l'huile dans des vases. Et elles ont pris. Et la présence de Dieu. Oh, mon papa. Ça, ce sont les sages. Oh, yes. Elles avaient la parole de Dieu. Et elles avaient la présence de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu et que tu as la présence de Dieu, aucune situation ne peut te heurter. Aucune situation, je te dis la vérité, aucune situation ne peut te heurter. Parce que tu as la parole de Dieu et tu as l'onction de Dieu. Tu as la présence de Dieu. Tu as le Saint-Esprit ami fidèle avec toi. Aucune situation. Vas-y, c'est bon de Dieu. Comme l'époux tardait, toute sa soupir. L'époux, c'est Jésus. Alléluia. L'époux, c'est Jésus. Yes. La Bible dit que comme l'époux tardait, alléluia. Les folles étaient dans la distraction. Mais les sages avaient la parole. Elles avaient le Saint-Esprit. Oui. Et quand tu as la parole, tu as le Saint-Esprit, tu te soucies de l'œuvre de Dieu. Tu te soucies de ton frère. Tu fais la volonté de Dieu. Amen. Tu marches selon les préceptes du Seigneur. Amen. La crainte de Dieu te caractérise. Oui. Il y a des choses que tu refuses. Oui. Il y a des choses que tu ne fais au pas. Même si tes pensées, le diable même utilise tes pensées, amen, tu dis arrière de moi. Parce que quand tu as la présence, amen, tu as le Saint-Esprit. Amen. Même si tes pensées sont souillées, que le. Tu dis non, arrière de moi. Ça, c'est la présence du Saint-Esprit. Dès que tu dis arrière de moi. Amen. Je ne fais pas de ça. Yes. Mais les folles, elles acceptent ça. Alléluia. Quelquefois, nous devons refuser certaines choses. Vas-y, c'est bon. Toute sa soupir. La Bible dit quoi? Toute sa soupir. Elles s'assoupirent. Elles ont commencé à dormir. À s'endormir. L'assoupissement. Oh, wow. Quand l'assoupissement est dans ta vie, oui. Tout est chaotique. Oui, alléluia. Maman, quand l'assoupissement, on appelle ça l'esprit de mort. Oui. Oh, amen, ma fille. Amen. L'esprit de mort. Quand amen. Tu mors, c'est que spirituellement, tu es mort. Amen. Tout alléluia. Est mort. Tes actes sont morts. Alléluia. Ta prière. Amen. Rien ne monte. Tu es dans la soupe. Même amen. Pour marcher, tellement tu es assoupi, oui. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. Parce qu'il y a l'assoupissement. Alléluia. L'esprit d'assoupissement qui est venu sur elle. Oui. Alléluia, vas-y, servant de Dieu. Au milieu de la nuit. Au milieu de la nuit. On cria. Au milieu de la nuit. On cria. On cria. Voici les. Voici, on cria. Mais qui cria? Pendant qu'elle dormait. Pendant qu'elle était assoupie. C'est comme ça Dieu va nous supprimer. Oh, alléluia. Pendant que nous serons en train de dormir dans l'assoupissement. Pendant que nous serons dans la mort spirituelle. Dieu va nous supprimer. Pendant que nous serons dans la distraction. Dieu peut nous surprendre. Pendant que nous serons dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, alléluia. Dieu va nous surprendre. Amen. Mais je prie que le Seigneur ne me supprenne pas. Alléluia. Moi, je prie pour que le Seigneur ne me supprenne pas. Alléluia. Je prie pour qu'il ne supprenne pas l'Église, alléluia. Mais qu'il ne te supprenne pas. Alléluia. Amen. Oui, c'est pour ça que le Seigneur nous dit veillez et priez. Oui, vas-y, c'est bon. Voici l'époux. Voici l'époux. Il y a quelqu'un qui a crié, il dit quoi? Voici l'époux. Il dit voici l'époux pendant que les gens dormaient. Le Seigneur est venu. Il dit, voici l'époux. Oui. Allez à sa rencontre. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Alors la Bible dit qu'elles ont entendu. Il y a quelqu'un qui a crié, mais qui a crié? Prédicateur, qui a crié? La voix des anges. Pendant que les gens étaient endormis, les gens en sont le Seigneur nous dit de veiller. Nous devons veiller tous les jours de nos vies. Tu dois veiller, tu dois prier, tu dois être constamment dans la présence de Dieu. Regarde, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es constamment dans la présence de Dieu, il y a des choses qui ne peuvent pas. Les choses peuvent t'arriver, mais tu vas amortir ça. Amen. Parce que en toi, le Saint-Esprit est, alléluia, est vivant. La Bible dit que quelqu'un cria. Oui. Oui. Pendant qu'elles étaient assoupies.
se réveillèrent. Alors tous ces vieux se réveillèrent. Et préparèrent leur lampe. Et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages. Les folles dirent aux sages. Donnez-nous de votre huile. Quand ils se sont réveillés, il y a eu une voix qui a parlé pour dire que le Seigneur est là. Chacun s'est levé. Chacun a pris son habit. Chacun a pris ce qu'il avait. Alléluia. Dans le réveil. Oulala. Oulala. On dit le Seigneur la tape. J'ai entendu une voix qui me dit le Seigneur t'apporte. La porte. Chacun a pris sa couverture. Alléluia. La Bible dit quoi? Qu'est-ce que les folles ont fait? Donnez-nous de votre huile. Les folles ont demandé aux sages, aux cinq sages. Elle dit, donnez-nous de votre huile. Je ne peux pas te donner de mon huile. Parce que pendant que j'étais dans la consécration, pendant que je priais, tu étais où? Pendant que je criais au Seigneur, tu étais où? Pendant que je faisais l'œuvre de Dieu, tu étais où? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur dit, quand il viendra nous chercher, viendra nous chercher un à un, ne viendra pas nous chercher deux à deux. Elles ont demandé ça. Elle dit, donnez-nous de votre huile. Car nos lampes s'éteignent. Car nos lampes s'éteignent. Parce qu'elles n'ont pas veillé. Parce qu'elles étaient dans des choses qui ne glorifiaient pas le nom de Dieu. Donc elles sont allées voir les signes vieux, les signes sages. Elle dit, donnez-nous de votre huile. Ce n'est pas possible. Dis à quelqu'un, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que j'ai payé le prix pour ça. Amen. Amen. J'ai payé le prix pour ça. Amen. J'ai payé le prix dans le chœur. J'ai payé le prix dans la prière. Oui. J'ai payé le prix. Je suis allé rendre visite. Oui. Au palais, je suis allé dans les hôpitaux. Alléluia. Donc je ne peux pas partager cette grâce. Amen. Pendant que je faisais ça, pendant que je me consacrais, toi tu étais où? Alléluia. Pendant que je me consacrais, tu étais dans les choses. Mm-hmm. Tu étais peut-être dans les bars. Peut-être que tu étais en boîte de nuit. Mais alors que tu as la parole de Dieu. Alléluia. Peut-être que tu t'occupais des choses inutiles dans l'église. Alléluia. Quand je dis des choses inutiles, parce que dans l'église de Dieu, il y a toujours de quoi faire. Dans l'église de Dieu, il n'y a pas de chômage. Dans l'église de Dieu, il y a du travail. Alléluia. Pendant que les sages étaient en train de pleurer, étaient en train de crier au Seigneur, elles se consacraient. Toi, tu dis, les signes folles disent, donnez-nous de votre huile. Je ne te donnerai pas de mon huile. Amen, amen. Parce que j'ai prié le prix pour ça. Alléluia. Vas-y, servant de Dieu. Les sages répondirent non. Ou bien toi, tu vas donner ton huile. Non. Pendant que tu as pleuré devant le Seigneur. Non. Pendant que tu allais faire l'œuvre de Dieu. Jamais. Et pendant que les folles étaient dans les. Étaient dans les. Dans l'ambiance, pardon. Merci, papa. Pendant qu'elles étaient dans l'ambiance. Il y a des choses qui ne se partagent pas. Il y a des grâces qui ne se partagent pas. Parce que c'est trop facile. Quand les gens disent, il y a des gens qui viennent me voir, papa, il faut prier pour moi. J'ai dit, il faut commencer. Quand tu as commencé, je te suis. Alléluia. Voilà. Parce que pendant que moi je prie, elles dorment. Elles sont tranquilles parce qu'elles m'ont donné leur sujet. Oui, oui. Et quand le Saint-Esprit m'a révélé cela, j'ai dit quand commence. Amen. Quand tu commences, moi je te soutiens. Amen, amen, c'est amen. Ce que je fais maintenant. Amen, amen. Et tu commences et puis je te suis. Amen. Ça veut dire que je vais t'amener à aussi payer le prix. Amen. Je vais t'amener. Parce que c'est trop facile. C'est amen. Trop facile. Amen. De dire oui, il faut prier pour moi. Oui, c'est bien. Pour ceux qui ne savent pas prier, amen. C'est que quand tu ne sais pas prier, je peux t'aider. Amen. Mais quelqu'un qui est dans la maison de Dieu, amen. Quand il y a des attaques, un de toi, il y a les attaques. Oui. Mais il faut qu'il y ait attaque. Pour qu'il y ait gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Donc tu dis de prier pour toi. Oui, mais commence. Amen. Tu dis de jeûner pour toi. Oui. Quand tu vas commencer tes jeûnes, je vais jeûner avec toi. Amen. Parce que c'était facile. Ça, c'est fort. Papa, c'était facile. C'est que je les amène à la facilité. Je les amène à la facilité. Comme elles savent que je sais que je prie. Donc les gens viennent me voir. Donc j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui me l'a révélé. Oui. Il dit qu'il faut les aider. Amen. Et quand ils ont commencé à prier, oui. Je suis rentré dans la danse. Amen. Alléluia. Amen. Vas-y, servant de Dieu. Les sages répondirent non. Les sages répondirent, elles disent quoi? Non. Les sages, regarde, c'est ça. Amen. Les sages répondirent non. Amen. Mais j'ai prié le plus, je ne peux pas partager. Amen. Non, mais ce n'est pas possible. Amen. Moi, je me lève le matin, je vais travailler. Je fais l'œuvre de Dieu. Je suis fatigué, mais je suis dans la présence de Dieu. Amen. Et Dieu m'a béni. Amen. Et tu veux que je partage. Je veux impossible. Amen. Va payer le prix. Au nom de Jésus. Va payer le prix. C'est Amen. Ça, vas-y. Il n'y en aurait pas assez pour nous. Il n'en aurait pas assez pour nous. C'est pas moi. Vous. C'est pas moi. La clame Jésus.